Comme on l'a dit en titre, plusieurs centaines de personnes ont rendu samedi un dernier hommage à Liliane Pierre-Paul, la journaliste présentatrice de Journal 4 a reçu des témoignages émouvants tant de ses proches que de ses collaborateurs. Lors de la cérémonie, des personnalités telles que le Premier ministre Jean-Michel Lapin ont exprimé leur respect envers Marvel Dandin, directeur général de la station, ainsi qu'envers les membres de la famille de Liliane Pierre-Paul. Cependant, des tensions ont été ressenties avec l'ancien Premier ministre Jean-Henri Seyer, qui a été escorté par des agents de la PNH suite à des incidents. Mais c'est l'arrivée de maître André Michel qui a déclenché la colère des manifestants qui l'ont attaqué verbalement et physiquement. Il a dû fuir rapidement, protégé par son service de sécurité. Plusieurs directeurs de médias ont été remarqués, parmi lesquels Max Chauvet du Nouvelliste, Hérole Jean-François de Radio Imo, Jean-Venel Romagis de Radio Solidarité, Robert Denis Canal Bleu, Richard Winmayer, Métropole, ainsi qu'une multitude de journalistes issus de différents médias. Dans un discours émouvant, Marvel Dandin a exprimé sa gratitude envers tous ceux qui ont assisté à l'événement. Tragédie de juillet, ça. Et il n'y a pas de temps de le dernier mot. Pour Haïti, ça, il y a un souffle contre nous. Il y a des problèmes. La prison. Subi humiliation dans la prison. Donc, il y a des pays à manger ici. Mais on tourne plus rien après le dictateur qui finit de tomber. Avec petit tout sous bras, sans pas qu'on nous coto pour aller. Je veux dire ça. Je dis, ah, il y a un coup de coto pour aller là. Pourquoi comme ça que vous allez passer? Qui va faire le travail? Ça va le faire. Il dit non. La caille est mieux. La caille est mieux pour aller. Donc, ils décident de tourner. Malgré le confort que l'Occident est offert à Yeshita dans le pays blanc. Si une pression, mille fois, obligé de mettre en bataille, engagement, sincérité, intégrité, faire souffrir. Oh oui! Non, oui. Mais on souffre encore tout. Un parmi les gens qui connaît souffrance, ça, qui connaît ça pour en tirer, pour protéger l'honneur à dire. Si c'est un monde qui connaît tout, je vais couper pour continuer à vivre. Après compagnon, Anthony Barbier, t'es qui dit ça. Moi, je dis pas ça, qui est capable de parler banal ou bien terre à terre. Et c'est pour nous connaître, et c'est ça qui est valable, exemple. Qui moune ça? Qui moune ça? Nous perdure. Pas n'importe qui moune. Et là, vous parlez de sacrifice là. Nous mettons à chercher. Pas d'un excellé en Haïti. N'a pas connu vraiment vrai qui moune ça. Liliane Dandin. La vie Liliane, c'est un exemple de dévouement sans calcul mesquin pour défendre comme la vie pour les peuples haïtiens pour courir au jet pour Haïti belle, pour Haïti grand monde. Côté tout le monde, c'est le monde, tout le monde. On est ensemble. Malgré toutes sortes de différences. Nous tous, dans chaque secteur par nous, dans chaque domaine, nous avons porté collé pour la vie. Sans caser
sans-fouce. C'est là, ma petite nous, malgré Lili et un gros des alliés, en finissement, 20e siècle, à commencement du 21e siècle, l'imagine en ligne, un désalinisme pour d'aujourd'hui. Un désalinisme qui continue. Jump, certainement. Je suis rentré dedans.